Bonjour à toutes et à tous, on est à la fin du match RWD Imbecton qui se finit sur le score de 3-0. Bonjour coach, comment tu te sens après ce match aujourd'hui? Incroyable au final. Bah ouais, c'est une très belle victoire pour nous. Hein. En plus, on gagne 7 points maintenant sur Oiseland. Donc, c'était hyper important aujourd'hui et je suis très content qu'on a pu remporter cette victoire à domicile. Un match avec beaucoup d'intensité et vous avez réussi à tenir tête face à cette équipe de Vecton. Ouais, je pense qu'en premier mi-temps, c'était encore un peu 50-50, disons, mais après le 2-0, je pense qu'on a vraiment su dominer le match. Mais comme tu dis, il y avait beaucoup d'intensité, les gars ils se sont battus les uns pour les autres, et ça c'est très très important parce que c'est la fondamentale de notre réussite. Vous avez eu un bon collectif, votre collectif était vraiment incroyable aujourd'hui. C'était ce que tu voulais mettre en place pour le groupe et pour la saison? Ouais, je pense que le collectif chez nous, ça a toujours été le plus important. Et par collectif, c'est les joueurs sur le terrain, mais c'est aussi le deuxième homme avec les supporters. Et de plus en plus, on est très très fort à domicile par rapport à ce soutien qu'on se donne les uns et les autres. Et ça restera très très important jusqu'au bout. Quelle est ta vision du football? Bah bon, ma vision du football, ça c'est une très très bonne question. C'est de jouer toujours très très compact comme équipe, défensivement mais aussi offensivement, avec une bonne connexion, avec un bon passing dans le jeu court et moyen distance, pour pouvoir déséquilibrer l'adversaire et trouver les bons espaces. Depuis ton arrivée, il y a quelques temps déjà, il y a eu des hauts et des bas forcément. Aujourd'hui, on peut dire que vous êtes presque en D1. Comment tu vois la fin de saison? T'es très très positif toi par dire qu'on est presque en D1, mais on est presque en finale disons, et puis on doit encore battre Serein. Mais bon, je pense qu'on a une bonne chance pour réaliser ces rêves de tout le monde, de nous comme en tant que staff et joueur, mais aussi des supporters, et ça serait magnifique d'écrire de l'histoire ici au RWDM ensemble. Mais dans les matchs qui restent, ils vont être super importants. Comment tu vois les choses? Tout d'abord, on va prendre cette trêve internationale pour calmer un peu les choses, et puis on va se focaliser comme on fait toujours sur les prochains matchs, et les derniers trois matchs, ça sera encore important d'être présent, et puis espérons qu'on a encore deux après les deux finales. Donc ça va se jouer très très vite en 5-6 semaines, et je pense c'est rester calme, c'est bien se reposer et être prêt pour les prochains matchs. Avec l'arrivée de beaucoup de renforts en début janvier, le groupe a vraiment progressé. Quel changement as-tu pu voir par rapport à avant les différents transferts? Je pense que les renforts, comme tu dis, ça a renforcé le groupe en général, en largeur, mais ça a ajouté aussi de la qualité sur le terrain et forcément aussi sur le banc, ce qui nous donne beaucoup plus de possibilités de changement, disons, pour ajouter de la qualité, parce qu'un match, ça ne se gagne pas à 11 joueurs, ça se gagne à 18 joueurs, donc les remplaçants, ils sont aussi importants que les joueurs qui commencent, et si tu as beaucoup de qualité dans les 18, tu as plus de chances pour gagner les matchs. Est-ce que tu aurais un petit mot à faire passer aux supporters après ce match aujourd'hui? Après chaque match en fait, je veux leur remercier pour leur soutien, parce que ça nous fait énormément du bien dans les bons et dans les moins bons moments. Ils sont toujours derrière nous. Je me rappelle la défaite à Oiseland par exemple, qui a fait du mal à la fin du match, mais comment ils nous ont salué là-bas, ça montre beaucoup de respect pour le travail que les joueurs y font et les staff y font, et je pense qu'on doit rester soudés, encore plus soudés jusqu'à la fin de saison pour tous ensemble aller au bout. Merci pour votre disponibilité, coach.